top meilleur streamer de tous les temps sur Twitch. Ça commence, 6 ma puissance, distribue des cas au rapport par l'eau. C'est incroyable, les gars. Hier j'ai bu Red Bull, aujourd'hui je bois Monster. J'ai sorti mon bengala, je l'ai mis en forme de croix. Tu sais, quand je le sors, bah en fait il y a de la lumière qui fait 6h du matin, le bengala est debout comme ton père, on va chercher des sous. Madame. Et on dirait le poisson mille pattes. On profite avant que Presca arrive, les gars. Pourquoi tu regardes ça? Je regarde quoi? Fais-moi un don de ces comptes au roast. Est-ce que ta bite a durci? Prisca, donne-moi un nom du meilleur streamer Twitch. Genre un, waouh, genre tu le vois, tu t'abonnes à sa chaîne Twitch. Incroyable. Allez, dis-le-moi, j'entends pas. Bah, un mec qui s'appelle Sisma. Et c'est un super streamer, franchement, il met l'ambiance, il met de bonne humeur. Il est archi bien. Donc franchement, moi je l'adore et c'est pas parce que je fais des vidéos avec lui, je le connais pas. Mais voilà, Sisma. Sisma. Alors, t'as dit qui? Amourante? C'est qui ça? C'est une streamer gaming. Je la connais pas. Ah, donc t'as dit qui? Je te dirai pas, tu verras dans la vidéo. Oh, dites-moi en commentaire, elle a dit c'est quel streamer est le meilleur du monde. Décris ton bengala en 3 mots, mon pote. Allez, fais-le en commentaire et abonne-toi. Et le meilleur description qui a le plus de likes, je l'épingle, mon pote. Et activez la cloche et partagez. Yamate Kodasai. Je trouve que je suis le seul TikToker qui a zéro concurrence. C'est incroyable. Identifie quelqu'un qui fait comme moi ou qui peut me concurrencer. Y'a pas. Je suis le meilleur. Je suis numéro 1, les gars. Faut que ça rentre. I love you. Mouah, bisous. Yamate Kodasai. Ce que je vais vous raconter, c'est incroyable. Accrochez-vous, ça va secouer. J'étais au collège et j'avais une meilleure amie qui s'appelait Marie. Et en gros, elle nous a invité à passer le week-end chez son grand-père à la campagne. Donc moi et Marie, on y va. On prend le train, tout ça. On va à la campagne voir son grand-père. Et là, on arrive dans le grand-père. Première nuit, tout va bien. On mange, tout ça. Deuxième nuit, je suis dans la chambre avec Marie. Et là, je tourne la tête, je la vois pas. Donc je dis, elle est où? J'avais peur, je me suis inquiété. Donc je commence à la chercher dans toute la maison à la campagne. Je me balade dans les couloirs, j'entends des bruits qui font. Et là, j'ouvre la porte et je vois un gros bengala poilu avec des écailles. Genre un truc préhistorique délire dinosaure. Il était tellement grand que j'arrivais même pas à le voir en entier avec mes yeux. Et là, je lève la tête et je vois que c'est son grand-père. Et Marie lui faisait un massage. Folle qu'elle est. Elle m'a dit c'est comme ça qu'il lui a demandé parce qu'il lui a dit qu'elle allait faire une crise cardiaque. Sacré papy. Et si je deviens président, j'ai une idée pour les étudiants pour lutter contre l'harcèlement. En gros, à l'école, je vais faire des cours de boxe pour tout le monde. Et s'il y a harcèlement entre deux personnes, j'organiserai des combats pour en découdre. Et l'harcelé, s'il perd, il a le droit de ramener 10 personnes. Comme ça, on fait un 10 vs 1. Comme ça, l'harceleur, il va comprendre que ce qu'il a fait, comme s'il a blessé avec 10 personnes. L'ampleur du truc. Comme s'il a ramené 10 personnes pour faire du mal. Comme ça, lui, il reçoit la même chose. Et là, l'harcèlement sera fini grâce à ma solution ultra pratique, mentale et physique. Ouais. Les amis, c'est les soldes en ce moment. Je fais des publicités. Serveur Minecraft, serveur GTA, Fortnite, des comptes TikTok. Est-ce que tu veux, frère, même si tu vends des pommes de terre, si tu te fais une pub. Donc c'est 40€ la pub, les gars, par pub bien sûr. Et elle sera sur TikTok, YouTube et Insta. Ouais, come on. Offre disponible jusqu'au 31. Les filles, balancez-nous vos secrets, comment vous séduisez les garçons. Dites-le-moi en commentaire pour qu'ils apprennent aussi. Mais moi c'est pour t'inquiète, c'est pour un pote. Si je réussis ce parcours, je donne 200€ à l'un parmi vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, il y aura un gagnant parmi les commentaires. 8. Oh, désolé, j'ai perdu. Personne n'a gagné. Les gars, vous avez pas d'argent, de quoi acheter Call of Duty? J'ai un meilleur jeu gratuit pour vous qui s'appelle Arsenal sur Roblox. Il est 1000 fois mieux que Call of Duty. Il est plus réaliste, il est meilleur, plus fluide et ne bug pas. Et oui, mon pote. Et t'as même pas besoin de mémoire pour le stocker. Et vous allez voir le plus rapide des détrônes, les gars. Regardez. 1, 2, 3, 4, 1. Et aujourd'hui, on va composer nos prénoms de riche. Comment le faire? Tu prends ton prénom plus la rue où t'habites plus la région. Genre, moi, je peux m'appeler Mohamed de la Boissière de Seine-et-Marne. Et vous, c'est quoi votre prénom de riche, de bourgeois? Dites-moi en commentaire. Les enfants qui respectent pas leurs parents, là, les petits guerriers. Mec, la vie est dure. Tu sais que si t'abandonnes, tu vas même pas trouver des cacahuètes à manger, même pas des feuilles de salade. Ouais, estime-toi heureux. Estime-toi vraiment heureux. Tu dors au chaud, tu manges, personne te fait de mal. Ouais, des fois, ils sont toxiques, ils sont durs, mais respecte-les. Et force à vous tous les amis qui ont du mal un peu. Respectez-les, même si c'est dur des fois. Bisous. Et je vais parler des mecs qui ont des prénoms de filles, hein. Et genre Marie, Inès, Gaël, Gabriel. Et un jour je parlais à un Gaël sur Tinder. C'est pas j'arrive et je vois que c'est un Gaël. C'est pas une Gaël. Qu'il a pas mis de photo. Moi j'aime bien quand il y a pas de photo. Tu vois, c'est excitant. Genre l'inconnu, le flou. C'est pas à quoi tu vas t'attendre. 40 ans ou 18 ans ou prison. Je sais pas. Et là, arrive. Chaud. Qui fait ça?
Est-ce que c'est vrai que Red Bull c'est pas halal, Monster et tout? Que tu vois, moi j'en bois. Mais si vous me dites que non, j'arrête, hein. Je sais pas, moi y'a un mec qui m'a dit ça. Ah, mais c'est vrai que dans les boissons énergisantes comme ça, y'a du sperme de mouton ou de vache. Genre, il lui met une petite vidéo de Miyaka. Et lui, vas-y, il fait son meilleur round. Et t'es là, tu bois son jus. Après, ça va. Tout le monde en boit de façon. Pas du Red Bull. Eh, imagine, tu dois choisir deux boules de glace. Tu choisirais quelle? Mon combo préféré, moi, c'est chocolat pistache. Et vous? Ok, c'est une meuf qui veut mettre ses lunettes. Il se passe quoi? Je la connais! Oh, je la connais! Je la connais! Au revoir! Je la connais! Viens, je vais pas te taper, viens! Non, tu sais, moi j'ai pas lu ça, je sais pas lire ça, mais. J'ai senti, ça sent la merde pour toi, hein. Regardez les gars, la colle à métal, à lumière. En fait c'est une colle avec de la lumière, tu prends comme des photos et ça colle. C'est quoi ça? Ah, une pizzeria. Ouh. Ah, quand elle chauffe, hein. Ça c'est, quand elle a chaud, hein. Quand elle te dit, j'ai chaud, t'as envie de tremper ton benga là-dedans. Regarde, c'est Bob l'éponge, non. Ah, il a l'air rebousse, il est tout souriant. Oh non. Oh. Au revoir, petit Bob l'éponge. Oh, les crayons de couleur, quand j'étais petit, je mangeais ça. Ah, t'es sérieux là? Oui. Oh, tu vas avoir mal au ventre, hein. Non. Ce logo, moi je le connais, toi tu le connais pas, devine le logo. Tu connais ce logo? Je connais trop bien. Tu veux que je t'aide? Vas-y. C'est un jeu pour les enfants. C'est un jeu de Lego. Entre 3 et 6 ans. C'est un jeu de Lego. Je savais, tu sais, parce que c'est en cube et tout. Exactement. En fait, c'est des cubes sur des cubes sur des cubes sur des cubes. T'as vu tous les petits carrés qu'il y a? C'est ça. Et comment il s'appelle? Bah, je sais pas, le jeu de Lego. Le jeu de Lego Minecraft. C'est un truc comme ça, ça ressemble. Ah, ok. Tu récupères, les gars, préparez-vous. Une tortue. Normalement, c'est aux femmes de payer aux hommes le resto. Pourquoi? Parce que dans la nature, c'est la lionne qui ramène à nourrir à son lion. Parce que toi, tu dois le nourrir pour qu'il y ait satisfaction après. Si tu le nourris pas, t'auras pas de satisfaction, ok? Et pourquoi tu dois payer? C'est toi qui dois payer au début. Parce que la femme doit donner de l'argent à l'homme. Parce que l'homme est beau, l'homme est grand, l'homme est magnifique. Et l'homme est rare, vraiment rare. Investis dans ton homme, investis dedans. Mets de la nourriture dedans, de l'argent, habille-le, tu vois. Comme ça, il va rester avec toi. Arrête-moi, tout de suite, arrêtez-moi. Je suis un criminel, mon crime c'est que je suis moche. Les garçons, à quel âge il a arrêté de grandir et il fait combien? Dites-le-moi en commentaire, bisous. Je vous pose une question, répondez-moi sincèrement. Pourquoi? Les amis, je vais faire un kill de malade, s'il vous plaît, ne refaites pas chez vous. C'est une technique de pro, vraiment. Je l'appelle la Sisma 3000, regardez, tu vois. Bingo! C'est quoi ça? C'est quoi comme logo? Faut que tu devines là! Mon dieu, c'est un truc de flamme! Disneyland! Non, Disneyland, c'est pas ça! McDonald's! Ouais, si tu veux! Ouais, c'est McDonald's ça, je pense, ouais! Tu veux quoi pour Noël? Pour Noël, Inch'Allah, une trottinette électrique. 300-500 balles, c'est déjà bien. Mais c'est pas haram Noël, frère. Tu vas avoir des cadeaux, toi. T'as pas honte? Bah non, si. Vu qu'on peut les avoir tout au long de l'année, on peut les avoir quand on veut. Ça, c'est pas haram. Ouais, mais toi, tu t'as dit pour Noël. Arrête de me barrer l'esprit, s'il te plaît. Ferme ta gueule. Les amis, j'ai découvert une série que je vous conseille. Elle s'appelle Squid Game. C'est une série chinoise. Elle vient de sortir là, récemment. Je viens de la voir. Eh, vous allez kiffer. C'est une série de jeux, d'activités, tout ça, comme le chat, tout ça, et vous allez kiffer. Elle est sur Netflix, les gars. Allez la regarder, c'est pour ceux qui connaissent pas. Tu vois, Naruto, c'est le mari de Hinata, et lui, il a un renard à 9 queues. Et si on dit que chaque queue a 2 boules, donc il a 18 boules. Donc Hinata a déjà léché les 18 boules de Naruto. Ouais, j'organise élection Miss TikTok. Identifie ta TikTokeuse préférée, et si elle a le plus de j'aime, c'est qu'elle sera la Miss TikTok. C'est parti, et abonne-toi. Quel est le meilleur personnage de Miraculous, le plus fort? Dites-le moi en commentaire. Meilleur anime du monde. Pourquoi ils ont mis Shrek dans le jeu, hein? Ah, ok, je m'en fous, putain, Shrek est trop gros, il va me manger. Ça c'est l'âne de Shrek, non, c'est un lézard. Les gars, regardez ce que j'ai découvert. Regardez ce que j'ai trouvé dans le jeu de Lego. C'est de la lave. On va sauter de là-haut, là. Mais Rek, faut prendre de la hauteur, hein, pour que ça soit fun. 1, 2, 3, youpi. Oh, youpi. Pourquoi je suis mort? Normalement, on meurt pas quand on va dans la lave. C'est quoi ce jeu? Sisma a essayé de nager dans la lave. Ce TikTok est pour moi dans le futur. Sisma, sache que tu seras numéro 1 YouTube, numéro 1 Twitch, numéro 1 TikTok, numéro 1 partout en France. Sache que t'es le meilleur, sache que t'es mieux que tout le monde, et ça tout le monde le sait. Je te conseille de travailler bien, de te donner à fond, et les gens ils vont te suivre. Ne les trahis pas, tes abonnés aime-les, tes abonnés fais leur plaisir, donne-leur ce qu'ils veulent, ce qu'ils méritent. Bisous à moi-même dans le futur.
Les garçons, vous avez des meilleurs amis, mais vous savez que si ton meilleur ami est célibataire, à un moment, le célibat lui monte à la tête et commence à avoir des idées spéciaux. Et un jour, s'il t'attrape tout seul la nuit, il peut te foudroyer. Donc, ne va jamais chez lui, ne dors jamais chez lui, et identifie-le et dis-lui, on se voit plus tant que t'as pas de meuf. Parce que s'il t'attrape, mais il va te... Moi j'aime bien boire de la lave. Tu vois, en fait c'est comme de l'eau mais bouillon. Plus qu'il y a le bouillonnage et après le bouillon, l'évaporage et après l'évaporage il y a le lavage. Le lavage c'est quand l'eau se transforme en liquide visqueux. C'est scientifique. Et en fait moi j'aime bien boire de l'eau. Faut juste quand tu le bois, n'hésite pas à faire ouf ouf ouf. Tu vois comme ça. Là on fait de la cuisson à la lave. C'est une viande qui est très bonne que moi j'aime beaucoup. Et après la lave faut pas la jeter. Tu peux la manger bien évidemment. Ceux qui mettent le lait avant les céréales, ils ont vraiment des problèmes mentaux. Vous savez ça se soigne. Hein. T'as juste à dire moi en commentaire et les gens ils vont te dire ils vont te conseiller. Mais arrête s'il te plaît. Vraiment, tu nuis à ta santé et tu nuis à la santé des gens qui sont proches de toi. Arrête s'il te plaît. Ça, ah, ça, je connais ça c'est bien. Quoi comme logo? Vas-y. Ça c'est un M. Un M de quoi? Un M. Ouais mais c'est le logo de quoi? Faut que tu devines le logo. M. Ah il y a une marque qui s'appelle M. Oui. C'est une marque de quoi? D'essence. Ah oui, ça c'est la marque d'essence, c'est vrai. Ou peut-être autre chose mais je sais que c'est une marque. Non mais je l'ai déjà vu que je voulais mettre de l'essence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Ah c'est quoi ce logo? Faut deviner le logo. A ton avis c'est quoi hein? Mais c'est vraiment un logo ça. Ça ressemble à une tartine, tu sais genre le Yop, le fromage Yop là. Non mais il manque un petit trou là ici. Il manque des lettres entre A, L, E, Z. Oui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, M, Z. T'as vu? Ouais, c'est ça. Ah, c'est dur, devine le logo. À ton avis, c'est quoi comme logo ça? Ça, je connais pas. Ah, c'est Gucci. Ça donne le tournis quand même. Eh, hey, j'ai déjà vu ça dans une. Tu sais, les filles, ils ont ça dans leur ceinture. Ouais, sûrement. Hein. C'est ça, ça, c'est Gucci, les gars. Ça, c'est Gucci, je suis sûr. On est d'accord. Ronde. Bah, c'est rond. Et là, t'as la fermeture de la ceinture. C'est le goût de la ceinture. Eh, hey, je vais vous sortir des TikTok. C'est des dossiers, genre, c'est dans l'archive. Tu vois, dans TikTok, il y a des TikTok que les nouveaux ils connaissent pas. Je vous montre un truc. Oh, I never knew you were. Someone waiting for me. J'ai fait un grand cauchemar. J'ai rêvé que mon compte en OnlyFans a sauté et j'ai payé un an d'avance. Oh là là, et vous, c'est quoi votre pire cauchemar de l'année? Ta professeur d'école te plaît, mais tu sais pas comment la gérer? J'ai la solution. Tu vas faire une bêtise, elle va te dire, viens, on sort dans le couloir. Vous allez sortir dans le couloir. Une fois dehors, tu l'attrapes, comme ça. Et là, tu lui dis, c'est qui le maître maintenant? Elle aura chaud, elle va trembler. Une sueur chaude et froide, humide comme elle est. Elle va te dire, chut, ne dis pas plus. Tu la tiens par les côtes, comme ça. Tu lui dis, maintenant c'est moi qui va te noter. Elle va trembler. Pourquoi? Le point faible des profs, c'est que eux, ils aiment bien le jeu de rôle. Parce qu'être un prof, c'est un jeu. Et du coup, toi, tu vas inverser les jeux. Du coup, tu vas hacker le game. Et là, tu pourras faire ce que tu veux avec. C'était les conseils du roi Sisma. Abonne-toi! Ciao! On était en guerre chaude il y a 2 ans, les gars. J'étais dans l'armée. Et là, il y a un canon qui me tire. Un canouet sur moi. Tu vois, une balle de canon sur moi. Et là, elle me tape la jambe. Elle me la coupe en deux. Je fais quoi? Je récupère ma jambe. Tu vois, et je fais quoi? Je commence à courir avec une seule jambe, je me suis enfui, je me suis caché. Et là, je ferai quoi? Je prends ma jambe et je la colle contre là où elle était. Et pour la coller, pour qu'elle se mette, j'ai pris, tu vois, les veines qui étaient déchirées. Ben, j'ai fait des nœuds, tu vois, des petits nœuds, un nœud. Et après, avec 2-3 jours, ça a repris forme. C'est devenu comme s'il n'y a rien été là, tu vois. J'ai même plus de cicatrices, les gars. J'ai pu me guérir tout seul. Parce qu'à l'armée, on vous apprend des trucs de bonhomme, on vous apprend à être des vrais. J'étais avec mon pote en Tanzanie et on se baignait dans la rivière avec mon pote en Tanzanie. Et il se passe quoi? Qu'à un moment donné, je vois quelque chose qui m'attrape le pied, je suis bloqué sous l'eau. Un putain de crocodile me mord. Je fais quoi? Zen Rax, ok? Je plonge sous l'eau, je le vois. Et là, je l'attrape par la queue. Et là, je lui prends la queue, je la mets dans son œil. Ah! Il est aveugle, il est aveugle, il m'entend plus. Il sait plus où je suis. Donc je fais quoi? Je commence à tourner autour de lui. J'ai créé un tourbillon. Et ça, après, il a eu la tête qui tourne. Et j'ai fait quoi? Une fois, il tournait, il est arrivé devant moi face à face. Je lui ai donné une grosse gifle. Pam! Et je l'ai pris. Je lui ai monté. Et après, on est parti le manger. Ça a le goût de fraises et de framboises quand tu le manges. Incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, un jour, il y avait un tigre qui a fui d'un zoo. Et c'est incroyable. C'était vers là où j'habite. Donc le tigre, il fuit d'un zoo. Et moi, tous les matins, je vais courir 30, 40 km dans la forêt à côté de chez moi. Donc je me balade dans la forêt et là je vois un grand tigre devant moi et là il me fait tu vois, il veut me manger et moi je fais j'ai peur, tu vois. Et là je fais quoi? Il veut m'attaquer. Esquive, double esquive. Bam, grosse claque, tu vois. Déjà ça lui remet l'idée, ça lui explique un peu il y a qui devant lui, tu veux dire. Il me prend pas pour un bolos moi.
Donc après je fais quoi? Il vient pour me mordre. Au moment où il a ouvert sa bouche, j'ai enlevé une dent de sa bouche et je l'ai planté avec et il est mort. Vous savez, quand j'étais petit, on avait cours de flûte à l'école, tout ça. Mais tout le monde avait l'argent de quoi s'acheter une flûte. Mais moi, j'avais pas d'argent pour m'acheter une flûte. Tu vois, la flûte, c'est le truc. Comme ça. Et j'avais une canette comme ça, les gars. J'ai fait 9 trous de diamètre de 2 mètres, le trou. Et le dernier, tu fais un diamètre de 1 mètre. Et je sifflais dedans. Et bizarrement, ça, le bangala est durci quand tu joues avec ça. C'est incroyable. Quand j'étais petit, je buvais du Monster comme ça. Et je faisais genre, j'étais bourré. Pour moi, j'ai acheté. Et tu sais que j'allais acheter du Red Bull et tout en cachette. Et je faisais des économies pour l'acheter. Hein. C'était 2 euros, 1 euro et quelques. J'avais pas ça tout le temps. Et j'allais le boire en cachette. Mais vraiment comme ça. Après, genre, ça piquait tout. T'es petit, t'es jeune. C'est là. Oh, je suis bourré. Et tu vas le dire à tes potes et tout. C'est incroyable. Incroyable talent. Présente-toi. Moi, c'est Amine. Ce que je sais faire dans la vie, c'est des doigts. Je peux même en faire 2. Voilà. Wow. Comment il fait? Moi je te propose qu'on t'exécute. T'as une belle moto mon ami, tu veux faire la course avec nous? Ouais. Arrête-le, course illégale. Course illégale, arrête-toi. Arrête-toi, course illégale en ville, excès de vitesse. Arrête-toi, sinon je tire. Arrête-toi. Reste sur le bas côté, descends tout de suite. Ok. Exact, on descend. Contre le collège. Quoi? T'as fait une course illégale. Papier de véhicule. Papier de véhicule, permis. Est-ce que t'as le permis? Non. T'as pas le permis? Non. Tiens, et ça t'apprendra. C'est le collègue. Toi, tu vas le passer. Et toi, attends, tu veux quoi toi? Non, non, j'ai rien, j'ai rien. Voilà, j'ai rien. Hein? On y va, collègue, avant que les autres portent plainte. Vas-y, collègue. De toute façon, il fait noir, il nous a pas vu. Ouais. Collègue. C'est pas bien. Je vais porter... On fait ce qu'on veut. Bonjour monsieur Apu, vous allez bien? Est-ce que vous avez des capotes taille XXXXXL? Ne t'inquiète pas Apu. Je suis le justicier de cette ville. Que vas-tu faire, roi Sismain? Je vais sortir mon bangala, laissez-moi passer. Non, pas le bangala ultime. Je vais prendre les chips. On ne croit pas de toute façon. C'est un menteur. De toute façon tu crois pas, on ne croit pas, t'as un petit bangala. Est-ce que vous avez déjà vu un bangala? Oui, j'ai déjà vu, ça se voit qu'on a déjà petit... vu, mais ça se voit qu'on a un petit. Tous à genoux, tous à genoux. Ok, pardon. Tous à genoux. Maître Sisma, roi Sisma, nous te vénérons. Gros bangala ultime. Range ton bangala, Sisma. Arrête après les chevaux et vous me complexez. Je suis le justicier de cette ville et je vais rétablir l'ordre et la prospérité. Allez, retournez chez votre mère tout de suite. D'accord. Je fais la statue, tu me vois pas. Ah bah si je te vois. Les gars, vous me conseillez quelle marque de savon? On se comprend, tu sais que je sais que tu sais ce que je veux dire. Tu me conseilles quoi? Head & Shoulders, ouf, ça pique. Dans le monde du gaming, t'as Fortnite et t'as les autres jeux, genre Call of Duty, Apex, Company, Minecraft, jeux de Lego, tout ça. Mais Fortnite reste jeu numéro 1. Dans Minecraft, il y a que Minecraft. Dans Fortnite, il y a du Minecraft. Tu peux construire, tu peux jouer, tu peux te battre. Il y a des armes de malade très réalistes. Il y a même pas ce genre d'armes dans Call of Duty. Donc Fortnite reste au-dessus de tous les jeux. On le sait tous, grâce à son succès, grâce à ses couleurs, sa réalistique, tout est magnifique, vraiment. Il n'y a pas Spider-Man dans Call of Duty. Ouais. Là, c'est une question Fortnite. Quel est le skin Fortnite le plus rare, mais le plus rare de malade ou genre, il y a très peu de gens qui l'ont? Moi, je le sais, mais je pense pas que vous le savez. Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous et likez. Décrivez le nouveau chapitre de Fortnite en 3 mots. Dites-le moi. Et vous le trouvez comment? Moi, je trouve qu'il est bien. J'ai découvert un nouveau truc dans Fortnite. Regardez, les gars. Un truc que personne connaît, je pense que personne d'entre vous l'a vu. Regardez les gars, là, vu que c'est la neige, tu peux glisser dans la neige. Waouh. Dis-moi merci et abonne-toi. Sincèrement, ça m'attriste parce que moi, en tant que pro gamer et compétiteur, ça me fait du mal de voir que Call of Duty a triché. Oui, je le dis, a triché, a volé les armes de Fortnite. Regardez-moi ça, pas une arme de Fortnite ça. Et je l'ai vu sur Call of Duty. Les plus gros tricheurs, c'est eux les gars. Donc venez tous sur Fortnite pour qu'on donne la force, vraiment. Combien d'argent vous avez déposé dans Fortnite? Dites-moi la vérité. Vraiment. Moi, je dois être entre 12 et 15 000 euros. J'ai pas le compte exact, mais facile 15 000 euros. Et vous, dites-le moi en commentaire. Devinez le drapeau. Et si tu le trouves, t'es un champion. Dis-le moi en commentaire et partage. Devine le drapeau, mon pote. Et si tu le trouves, tu gagnes le droit de t'abonner à moi. Non, ça, faut deviner le logo là. Wow, ça, c'est un truc du futur. Un truc exceptionnel. Attends, là, tu vois quoi? Là, je vois un L. Ça, il fait une épée. Ça fait une épée, ouais. Le roi Merlin. Je te jure,
sur le logo. C'est leur logo. Mais non, il a un L, le roi Merlin. Oui, mais ça, c'est un L inversé. Ils veulent juste nous piéger. T'inverses. Tiens, ouais, c'est fait le Merlin, L, L, le roi Merlin. Bah, je suis sûr, c'est leur logo. Devine ce drapeau, mon pote. Quel est le drapeau? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi et like. La 1 VS. Si tu gagnes, je t'achète tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Une voiture. Ok. Si tu gagnes, je t'achète une voiture. 1, 2, 3. Ça, il y a une odeur là. Ça sent la mort. Oh là là, ça sent la mort. Ça sent la mort. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Ah, ça sent la fin de la game. Ça sent la fin de la game. Ok, ça sent la fin. Ça sent la fin. Au revoir. Au revoir. C'est bon. On arrête là. J'ai une petite blague à vous raconter. Qu'est-ce qui est bas et qui guette? Un bengala? Ben, c'est une baguette. Quand TikTok me banne une semaine pour rien. Pour faire entendre ma voix, ce n'est pas si simple que ça. Il faut trouver les mots et ne pas en dire trop. Mais j'ai des choses à dire, pourquoi m'en empêcher? Que ça plaise ou non, je ne peux pas résister. Le roi est maintenant libre. Abonne-toi. Est-ce que le crocodile est plus fort que l'humain? Eh ben non, l'humain est plus fort que le crocodile, la preuve. Là on a un jeune homme qui attrape un crocodile avec son pied. Ouais, et là il est en train de le préparer. Et là, il est en train de le déguster. L'homme est trop fort. Réponds à ma question. Si tu devrais choisir deux personnages d'animé pour te sauver d'une attaque d'extraterrestres, tu choisirais qui? Qui tu vas choisir? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi et active la cloche.